Solo, c'est le titre de votre spectacle. Ouais, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous n'imitez pas Bruno Solo pendant une heure et demie. Non, pas du tout. Solo, c'est barré parce que je suis seul en scène, mais pas vraiment, parce qu'il y a 90 imitations. 90 voix sur la scène du théâtre de Jazzy, où vous êtes en ce moment en spectacle. Et vous imaginez... Il y a même Julien Courbet qui vient vérifier si ce n'est pas une arnaque. Voilà, 90 imitations, le bras est là. Vous imaginez la France de 2040. Ouais. Stéphane Bern ne s'est toujours pas remis de la mort de la reine. Et François Hollande participe à Koh-Lanta. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'une équipe de talents emmenée par Didier Deschamps. Bonjour Olivier. Doucement, sur le sourire, Didier, vous faites encore plus peur que les tigres quand vous montrez vos dents. Comment vous sentez-vous depuis le décès de la reine Elisabeth II ? Oh, je suis inconsolable. En plus, c'est terrible, la pauvre reine, ils l'ont trimballée dans sa boîte dans tout le Royaume-Uni, comme si c'était une pizza sur Deliveroo. Vous avez commandé une reine ? Amis aventuriers, c'est seulement le premier jour d'aventure et vous n'avez déjà plus de riz. François ? Que s'est-il passé ? Bonjour. Ce soir, ce n'est pas François Hollande qui est à notre table, mais c'est Olivier Véran et le président de la République. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Olivier Véran, ce qui va changer exactement dans la réforme des retraites ? Bonjour à tous. Écoutez, pour ma gestion de la pandémie, comme pour la gestion de la pandémie, pardon, c'est extrêmement clair. À partir du 1er septembre, la génération 1965 cotisera 172 trimestres N-1 à taux plein. Et évidemment, l'ensemble de la réforme sera indexé sur le prix du cours de la vaseline pour que les Français puissent continuer à s'asseoir. Monsieur le Président, le gouvernement a dévoilé les contours de son plan chasse avec l'objectif de tendre vers le zéro accident. Mais, mes chers compatriotes, il n'y aura pas de journée sans chasse, car pour un chasseur, c'est dur de savoir quel jour on est quand on est à 4 grammes. Cependant, toutes et tous, nous réfléchissons, et sans carabistouille, à créer une contravention pour les chasseurs sous l'emprise de l'alcool. J'aimerais même lancer le permis de chasse à points. Un point de suture sur un jogger, une sucette. 5 points de suture, un porte-clés. Et si jamais le jogger décède, on gagne la grosse peluche. Oh, bravo. Merci beaucoup. Voilà quelques-unes des imitations, Patrick. Patrick est rêveur. Effectivement, ça me faisait rêver. Ah, c'était Pierre, pardon. 80... C'est ma faute. C'est pour ça que j'étais un peu surpris. Pardon, c'était Pierre. Non, vous avez été le premier à imiter Macron. Oui, effectivement, parce que c'était intéressant. Parce qu'au départ, les imitateurs imitaient plus Sarkozy, effectivement, Hollande. Plus de tics, plus de... Ouais, et d'ailleurs, je n'imitais pas trop les politiques. Et puis Macron, du coup, quand il est arrivé, il y avait des nouveaux personnages, en plus, qui sont arrivés dans le gouvernement. On a eu la chance aussi, mais là, on ne le voit plus, mais d'avoir Castex, oh, Mazette, Donc c'est vrai que c'était un bon personnage, mais c'est vrai qu'on a eu aussi... on a encore d'autres, on a Gérald Darmanin, il y en a plein, mais c'est vrai que ça a amené plein de... Mais écoutez, je vais le faire tout à l'heure, soyez pas sûr, monsieur Solo. Et donc, on a aussi... Marlène Schiappa, wesh, chers spectateurs, spectatrices, quel bonheur, bonneuse d'être avec vous ce soir, parmi vous et vous. Tous ensemble, nous tenons, je crois, le bon bout et la bonne bouse. Il a pas voulu vous décorer d'avoir réussi à l'imiter, Emmanuel Macron ? Non, je ne sais pas du tout si déjà il me connaît ou s'il a déjà regardé des vidéos. Mais en tout cas, moi, j'essaie toujours de rechercher à chaque fois des nouvelles voix et ça faisait partie des nouvelles voix, Emmanuel Macron. Et quand j'ai commencé, j'imitais au tout départ Cyril Gignac, c'était gourmand croquant, personne ne connaissait. Et après, il est devenu connu, gourmand croquant. Dans les nouveaux, il y a Jeff Tuche. Et alors, je suis là, petit peu là. Vous avez vu en ce moment, on est en rigole, mais il y a la guerre. C'est la guerre, c'est à cause de Poutine. Et sur Poutine, il y a la chirurgie esthétique. Et sur la chirurgie esthétique, il y en a bilan. S'il y en a bilan, il n'y a pas de cerveau. S'il n'y a pas de cerveau, il y a Magali Berda. S'il y a Magali Berda, il n'y a encore pas de cerveau. Il y a encore la bilan, il faut réfléchir. C'est impressionnant. En tout cas, pour passer d'une voix à une autre, il faut beaucoup d'entraînement. Un entraînement comme un vrai sportif de haut niveau ou un chanteur de haut niveau là aussi. Pas besoin d'alcool, il faut surtout pas fumer. Il faut avoir du souffle quand on enchaîne plus de 90 voix. Ouais, bah surtout près de 90 voix. Surtout que je fais des sketchs où les personnages se répondent entre eux. Ouais. Il y a par exemple, on l'a vu tout à l'heure, Didier Deschamps qui parle à Zizou, ça va très vite, et ils se répondent entre eux. Et du coup, à chaque fois, ça passe de l'un à l'autre. Il y a aussi, on a vu notre ami, je ne trouve plus le nom, Denis Brogniart. Ah ! Il vient là ? Ah ! Ah ! Pardon, j'ai un fou rire. Vous faites 90 voix, en combien de temps le spectacle dure ? Le spectacle dure 1h15. Est-ce que vous pouvez faire 50 imitations en une minute ?
Oui, c'est possible. Alors, attendez, je vais essayer de le faire juste en citant les noms. C'est le défi ce soir que Marc-Antoine... Moi, j'ai pas de chrono, je vous fais confiance. On fait défiler les noms. Non, je vais faire je vais dire les noms en fait en imitant, ça va être plus simple. Vous êtes prêts? C'est OK, parti. Attention, chrono. Nous on a un chrono apparemment. On y va? Attention, il y a une bascule lumière. Pour que tout le monde comprenne bien, il va y avoir un happening. Happening. On y va? Les comptes. OK. Didier Deschamps. François Cluzet. François Hollande. Bonjour. Emmanuel Macron. Jean Lassalle. Chantal Latsou. Laurent Ruquier. Jean-Claude Van Damme. Bonjour. Gérald Darmanin. Hey, Franck Dubos, Régis Laspalès, bonjour, Ali Kemoun, Thomas Gijol, bande d'enfoirés, Salam Lerouya, Paul Mirabel, ouais, c'est Fabrice Eboué, Fabrice Lucchini, Jean Reno, Ariel Dombal, Jean-Marie Bigard, Gérard Holtz, Denis Brognard, Mac Lesguy, et Yann Barthès, ouh, Kylian Mbappé, Roselyne Bachelot, Boba, Bedozoba, Mathieu Chedid, et bien sûr Renaud, Marine Le Pen, Antoine Decaune, Julien Courbet, Philippe Etchevès, Cyril Lignac, Mac Lesguy, je l'ai déjà dit, Jean-Michel Apathy, poum 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 poum, Laurent Deutsch, Stephen Bern, Michel Drucker, Brigitte Fontaine, David Pujadas, Philippe Bader, André Manoukian, Christina Cordela, Malify, Nelson Montfort, et Philippe Candelero, Bernard de la Villardière, Patrick Sébastien, Laurent Delahousse, Jean-Luc Reichmann, Olivier de Carglass. Oh, incroyable! C'est un truc de malade!